Dans quelques mois, le prince Harry et Meghan Markle accueilleront leur premier enfant. Comme tous les bébés de la famille royale, son baptême se fera dans les règles de l'art. Plus que quelques mois à attendre avant l'arrivée d'un nouveau royal baby. Au printemps prochain en effet, le prince Harry et Meghan Markle seront parents pour la toute première fois. Et l'heure est déjà aux préparatifs du baptême du nourrisson. Comme durant toutes les cérémonies des bébés royaux depuis 150 ans, le calice Lilifond sera évidemment utilisé. Selon les experts, le bénitier coûterait la modique somme de 11,000 livres, soit environ 12 200 euros. Présent dans la famille royale depuis 1840, le Lilifond est doré à l'argent et décoré de lys, de lierre et de chérubins. Depuis ce jour, tous les enfants ont été baptisés avec verre dont les princes Harry et William mais aussi George, Charlotte et Louis. À quelques mois du jour J, le baptême du bébé d'Harry et Meghan Markle s'annonce déjà extraordinaire. Mais quelle place tiendra-t-il dans l'ordre de succession au trône britannique? Comme le révèle un expert royal interrogé par Daily Mail, le bébé de Meghan Markle et du prince Harry ne portera aucun titre honorifique puisque seuls les aînés ont cet honneur. Aujourd'hui, c'est le prince Charles qui est le successeur d'Elisabeth II. Ensuite vient son fils aîné, le prince William. Et comme le veut la tradition, ses enfants, George, Charlotte et Louis ont hérité des places suivantes. C'est-à-dire de la troisième, de la quatrième et de la cinquième. Ainsi, le prince Harry a été relégué à la sixième position de l'ordre de succession au trône britannique. Son enfant quant à lui sera logiquement classé septième.